Maintenant, nous y sommes. Bonjour tout Bonjour. Ah. Bonjour Axel, comment vas-tu? Comment va la Belgique? Alors, la Belgique va très très bien également, mais à mon avis, je ne suis pas la seule qui doit se dire, mais où es-tu? Où je suis? Je suis aux Bahamas, je suis au Vietnam, je suis au Tibet, je suis à Hawaï, tout en même temps, en tout cas derrière mon téléphone et pas connecté en visio parce que mon internet chez moi ne marche pas. Donc ça fait une petite semaine que je ne peux plus faire les vidéos le matin. Tout à fait. Alors tous ceux qui ont l'habitude, bah, excusez-moi. Ouais. De cette absence, mais qui est triste pour moi, parce que vous me manquez. Ben, je suis sûre qu'ils seront contents de te retrouver dès que tu auras récupéré ton réseau. Et moi, j'ai envie de profiter pour dire que si jamais vous n'entendez pas Axel ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'hésitez pas à faire un petit commentaire. Comme ça, j'ai essayé d'ajuster comme je peux, en tout cas, pour qu'elle soit au moins avec nous, avec sa voix. Merci. Donc voilà. Et vous, comment C'est aimable, allez-vous? madame. Avec plaisir, Alors, madame. comment ils vont alors, nos amis de copines là sur Facebook? Ah bah Comment écoute. vont-elles? Est-ce qu'elles ont passé une belle semaine? Est-ce que les défis de la semaine dernière se sont bien passés? Ouais. Ah bah c'est une très bonne question. Alors pour l'instant, moi je ne vois pas de commentaires, donc je ne saurais pas t'y répondre. C'est toujours un peu en décalé, hein, donc Ouais. t'inquiète pas, il y a au moins 2, 3, voire plus de minutes en D'accord. décalage. Ah, Oui, c'est normal, ça va alors. on voit ça arriver beaucoup, beaucoup plus tard. Ça va alors. Alors, ma petite dame, est-ce qu'on va faire un petit peu notre avis sur nos défis de la semaine? Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Quelle est notre Alors, la phrase du phrase jour? des jours, je l'aimais bien, moi. Ah bah vas-y. Parce que quand je l'ai écrite, je me souviens m'être dit, mais qu'est-ce que tu écris? Et puis je me suis dit, mais en fait, je ne sais pas ce que j'ai écrit, mais ça sonne tellement bien comme le Ah. laisse. Alors j'ai mis, notre phrase des jours, c'est, j'ai une volonté en acier trempé d'évolution. Ah, elle est sympa ta phrase, hein? Puis en dessous, j'ai écrit, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça sonne vachement bien. Je te reconnais bien là en même temps. Hein. Te laisser transporter par le pouvoir des mots qui résonnent, c'est bien toi. Oui, c'est ça. J'ai une volonté en acier trempé d'évolution. Ah, si, Comprendre si. hein, qui veut bien comprendre. Alors, bonjour Josie. Donc, voilà, il y a Josie qui nous dit bonsoir les filles, Axe. Comme ça, tu suis. Elle est en France. Ah. Sa petite photo, c'est orange avec une Oui. petite dame qui marche sur un chemin. Tout C'est à ça. fait. C'est ben, Josie qui est en France. Parce qu'en fait, je retiens les gens avec leur photo de Ah profil. D'ailleurs, dès qu'ils changent de photo de profil, je suis perdue. bah oui, j'imagine. Je sais plus de qui on parle. Ne changez pas vos photos de profil. Eh ben, bonjour tout le monde. N'hésitez pas, quand vous arrivez, comme dirait Axe, à prendre vos petits doigts et à noter bonjour et faire voilà, un petit commentaire pour qu'on sache que vous êtes avec nous. Oui, ce serait bien. Serait bien, Des petits commentaires. hein? Allez, Alors. on lance notre petite phrase en prospection, madame. Allez, madame. Alors, celle-là, je sais que tu l'aimes. Ah oui, je l'aime. Donc, je te laisse l'honneur de la voix de nous la dire. Allez, Allez. phrase d'introspection. Question. Ouais. Est-ce que je m'aime? Oui ou non? Belle Allez-y, question. répondez de suite comme ça à cette question. Dès Ouais. qu'on te demande est-ce que tu t'aimes, oui ou non. Donc vas-y, réponds du tac au tac. Mais une fois qu'on a répondu du tac au tac, ensuite on va gratter un petit peu plus loin. Tout à fait. Parce que la conception même de l'amour, qui a été dans notre éducation injectée, Tout à fait. le fait de s'aimer correspond à ce qu'on a vu de nos parents.
comment eux s'aimaient eux-mêmes, oui. comment ils nous ont appris, parce qu'on les a vu faire, ce que c'était l'amour. Et parfois, ben, on a une très, très, très mauvaise image et éducation par rapport à l'amour. Oui. Certaines personnes peuvent croire que l'amour, c'est forcément de maltraitance. Tout à fait. Tu sais qu'il aime bien sa petite mère. Qu'est-ce que c'est cette phrase? Voilà, il y en a qui ont été élevés comme ça. Hein, oui. Donc, l'amour, c'est ça. Donc, du coup, si elle se maltraite elle-même physiquement, verbalement, quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui se trouve laide, moche, etc., elle peut pas répondre. Peut-être qu'elle peut répondre oui de manière comme ça, instinctive. Oui, je m'aime, mais si tu te poses deux secondes et que tu réfléchis vraiment, non. Tout à fait. Oui. Et il faut en profiter pour replacer les bonnes choses au bon endroit. Mettre le doigt sur les choses qui sont en fait des mensonges. Tout à fait, oui. Comme ça nous permet de travailler dessus puis d'aller mieux et d'augmenter son amour pour soi-même. Tout à fait, qui est quand même important parce que ça nous permet... Alors, tu sais pourquoi ? Parce que en plus d'être bien avec soi-même, ou en tout cas d'être mieux avec soi-même, eh ben ça nous permet d'être mieux avec les autres, de se faire respecter, de prendre sa place, de pouvoir exprimer les choses qui sont justes pour nous, et donc d'être, moi comme je dis souvent, entouré, tu sais, par cette espèce d'échange de l'énergie de l'amour. Voilà, on va donner des choses positives aux autres, les autres vont nous rendre plus de positifs aussi, à partir du moment où on se dit que on mérite un peu de respect, qu'on mérite un peu de l'amour des autres. Que si on se dit que, je vous le dis comme je le pense, si on se dit qu'on est une espèce de merde, qu'on ne vaut rien, forcément, on va trouver ça normal que les autres nous traitent de la sorte. Et donc, on n'est pas du tout dans les mêmes types d'échanges. Eh oui. Ouais. Donc, allez, travaillons pour ça cette semaine. Tout à fait. C'est le mois de décembre, le mois où... ce qu'on appelle la magie de Noël. Ah oui, Donc, ce sera un beau cadeau. Rempli d'amour. Oui. Un beau cadeau à se faire, alors. Pour soi-même. Exactement. C'est bon. Allez, soyons fous et bon nous. Super. Défi relevé. À vous de jouer. Et là, il y en a un des défis qui arrive pour toi, tu vas l'adorer. Ah, elle est super. T'es obligée de le faire, là. Ah, ouais. Alors, je te laisse donner le dire et donner les infos. Moi, comme ça, je me fais de la place et je vais m'installer pour le faire. Allez, ça marche. Alors, défi physique. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine 15 pompes en chien tête en bas. Alors après, c'est très facile. Il suffit de se placer en chien tête en bas. Et puis, une fois qu'on a les mains posées au sol, bien écarter les doigts, tu vois, pour avoir les doigts très, très, très ouverts. Comme ça, on a une bonne, un bon appui, une bonne prise dans le sol. Le poids du corps, vraiment le mettre plutôt sur les pointes de pied. Ouais. Comme ça, on a les talons qui sont décollés hein, en chien, t'attends pas. Donc, on va pousser son poids du corps plutôt sur les cuisses, dans les abdos. Oui. Pousser les fesses vers le ciel et à ce moment-là faire 15 petites pompes. Donc tu fléchis un petit peu les coudes, même si les coudes partent sur les côtés, là c'est pas grave. Et c'est vraiment des toutes petites, hein. On va pas non plus se coucher par terre. C'est juste on fléchit un petit peu les genoux, on fléchit un petit peu les coudes et puis paf, on retend les bras, tu vois. Vraiment, peut-être aller 10 cm, hein. C'est pas très très grand. Hein. Voilà. C'est vraiment pour la transmission d'énergie, tu vois, où tu es vraiment en appui dans le sol et puis pouf, tu retends les bras et tu remets bien le poids de ton corps plutôt dans les fesses qui vont vers le ciel. Hop, tu réfléchis un petit peu les bras, tu sens que la tête vient un petit peu vers le sol et puis pouf, tu retends les bras à nouveau et tu pousses les fesses vers le ciel. Voilà, tu fais ça 15 fois. Ouais. En tout cas, on le sent, hein. On sent au niveau. Tu le sens ? Ouais, au niveau du. Du transfert d'énergie. Après, j'espère que tout le monde a bien vu. On sent vraiment, comme tu l'expliques, en tout cas, le transfert d'énergie dans le corps. Et ça fait du bien. Ah, tant mieux. Merci, Madame Coach. Avec grand plaisir. Et alors, nous avons également le bonsoir de Anne. Bonsoir, Anne. Salut. Guerrière sourire. Ah oui. C'est Athéna, c'est ça, hein? Tout à fait.
Tout à fait, c'est elle. Alors, quel est notre autre Allez. défi? Alors, prochain défi, c'est le défi alimentaire. Cette semaine, je mange un fruit cru chaque matin à jeun. Alors, j'insiste sur le fruit cru et toutes les dérives, c'est-à-dire des raisins, la banane. On peut même sincèrement faire un fruit cru différent chaque matin. D'accord. On a parfois trop l'habitude, tu sais, de rester enfermé sur ce qu'on a l'habitude de manger. Oui, Allez, oui, oui. On renoue un petit peu l'esprit, là, tout à fait. Les mangues, tu vois, enfin voilà. Ah, oui. Parions un petit peu les plaisirs. Super. Pendant que je mâche, je pense au soleil qui a fait mûrir ce fruit et au soleil que je mets en moi grâce à lui. Ah. Donc, petite méditation pleine conscience qu'on va se rajouter en même temps qu'on mange notre fruit cru le matin. Super. Alors, celui qui me dit qu'il n'a pas le temps de faire de la méditation, bah, là, c'est facile quand même. Hein, oui. Puisque pendant que tu manges, donc tu avais quand même de toute façon plus le temps de manger. Oui. Bon, bah, alors. Mais c'est une super astuce. Au moins, comme ça, bah, ça montre qu'on peut méditer dans son quotidien, sans pour autant devoir dégager forcément une heure en plus. Donc, très bel exercice. Eh bien, voilà. Faisons-le les matins. Oui. Ouais. Et puis, moi, j'aime bien cette idée de penser au soleil qu'on met en soi. Je trouve qu'en termes d'énergie, voilà, c'est... T'as bien fait de le mettre là, dans le Booking Day. C'est un bon moment, dans le sens où, comme je trouve qu'en plus, en ce moment, il fait vite nuit, et que, bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez bien que moi, quand il fait pas clair, j'ai besoin de lumière. Donc, voilà, mettre un peu plus régulièrement du soleil, ça, c'est une méditation qui me plaît. Autant en métropole, je comprends ce que tu dis pour l'Europe, oui. Mais ceux qui sont à La Réunion, tout à fait. En fait, ils sont en plein été. Oui. Et ce fameux, tous les fruits qu'il y a, c'est là vraiment, c'est la saison des fruits. Oui. Il y a des litchis, il y a vraiment plein de fruits à La Réunion, c'est la saison. Oui. Et ben, c'est ce beau soleil d'été, tu vois, qui a tout fait mûrir là. Et tout à fait. Cette satisfaction de les manger et de sentir toute la belle énergie rentrer à l'intérieur de toi et te donner un power de fou, quoi. Donc, vous l'aurez compris, si vous voulez envoyer des fruits de La Réunion à Axe, elle est preneuse. Oui. Et tu sais que l'année dernière, j'en ai reçu. Oui, je me rappelle. Elle m'a envoyé. Ah ben voilà, bah Anne, écoute, message reçu. Hein. Mais là, du coup, j'y retourne, donc je vais me régaler toute seule. T'as bien raison. Oui, non. C'est à toi qu'on va envoyer un petit colis. Mais c'est vrai, tiens, moi je suis preneuse aussi. Vous l'aurez remarqué, moi, tout ce qui vient de La Réunion et des îles, ça me va, donc je suis preneuse. Oui, un petit bocal de piment pour Stéphanie, s'il vous plaît. Ah oui, ça j'adore aussi. Ok. Et quel est le dernier défi alors, madame? Celui-là, il est magique parce qu'en fait, c'est un défi qu'on a déjà fait il y a quelques mois en arrière. Tout le monde dans son Booking Day, je crois que c'était... de manière certaine. Donc, la croyance dure comme du fer. C'est qu'en mois d'avril, notre nouvelle année, je suis mon coach, qui se base sur les astres, non pas sur le calendrier. Donc le 1er avril, on avait un message à écrire à soi-même pour le relire en fin d'année. Oui. Et bien, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous devez relire, pour tous ceux et celles qui ont leur agenda, relire le message que vous vous êtes écrit à vous-même. Il y a 9 mois en arrière, quoi. Ah, chouette. Et en quoi c'est beau, ça. En quoi est-ce magique et utile de faire ce genre d'exercice? Ben c'est qu'en fait, souvent, tu sais, quand tu es dans ton instant présent, où tu vas écrire ton message, donc là, c'était au mois d'avril, et puis le temps passe, et tu ne te rends pas vraiment compte de ton évolution. Tu ne te félicites pas, tu ne vois pas les étapes que tu passes parce qu'on est des éternels insatisfaits. Et
comme nous sommes des éternels insatisfaits, on est toujours à la recherche d'évolution. Oui. Mais parfois, on ne constate plus pas bah, le chemin parcouru. D'accord. Alors que là, le fait de se relire quelques mois en arrière, on dit « Ah, mais oui, bah, tu vois, ça, ça y est, c'est fait. Ça, j'ai réussi. Ça, j'ai fait. Ça y est, c'est fait. » Discuter de ça avec une dame que j'avais en coaching la semaine dernière ou il y a 15 jours. Et je lui dis « Mais est-ce que tu te rends compte qu'on est en train de parler de petits problèmes bénins de la vie de tous les jours comme si on était simplement deux copines ?» Elle me dit « Non, je ne comprends pas. » Je lui dis « Mais quand tu es venue me voir il y a, au mois de février ou janvier l'année dernière quand on a commencé ce coaching, elle essuyait un divorce. » Il y avait toute une restructuration psychologique, familiale, destinée d'elle-même. Il y avait énormément de choses à remettre en place. Et maintenant, moins d'un an plus tard, tout ça s'est terminé. Elles ont complètement eu une sale nouvelle vie. Et elles n'en étaient même pas rendues compte qu'elle avait fait tout ce chemin. Ouais. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. Et donc, c'est vraiment un exercice qu'on peut finalement s'approprier et... refaire régulièrement. Mais oui. Ouais. Oui. Ah, même, tu vois, quand on est enfant, on devrait faire ça. Oui. S'écrire des messages à ouvrir que quand t'as 20 ans, à ouvrir que quand t'as 30, 40 ans. Ça, c'est vrai. Ah, mais il est jamais trop tard pour commencer. Pourquoi pas le faire maintenant? Même pour nous. Ça pourrait être sympa. Exactement. Oui. Ah, super. Ah, c'est très rigolo. On va aller s'écrire un petit message pour toutes les deux quand on aura 60 ans. Ah bah ça marche. On aura 60. Ah bah oui. Ça risque d'être comme une petite histoire. Ah bah écoute, moi je prends le pari, hein. Je l'ai écrit une fois la vidéo finie. Allez, on fait ça. Eh bah c'est cool. Super. Eh bah voilà pour nos défis. Eh bah voilà, j'allais te dire. Alors, j'espère que pour vous, bah, tout a été clair, que bah, vous nous avez bien entendu et que voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi à revenir vers nous, à nous faire des petits commentaires, à venir nous trouver en privé ou sur les différents groupes, parce que bah, on sera là chacune pour vous soutenir dans ces défis et dans d'autres, évidemment. Oui. Voilà, je ne sais pas si toi, tu as une information ou l'autre que tu veux faire passer pour clôturer. Ah oui, je veux souhaiter une belle semaine à tout le monde avec vraiment plein d'amour, de belles énergies, de partage et du fun. Tu vois, j'ai envie de transmettre du fun. La semaine prochaine, c'est la semaine du fun. On détend, on rigole, on arrête de se prendre trop c'est au vrai. Sérieux. Oui. Parce que de toute façon... Ouais. Quand on est trop sérieux, au final, on est moins productif. C'est vrai. Tout à fait. Bah, écoute, moi, je te rejoins complètement parce que ma méditation aujourd'hui, c'était sur « je vais m'octroyer en tout cas au moins cette semaine pour profiter du bonheur de chaque instant ». Donc, tu vois, ça, pour moi, ça rentre dans le fun, dans « je profite, je suis dans la spontanéité, dans la créativité », mais sortir de mon mental qui, lui… à certains moments, t'empêche d'être pleinement là. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Allez, on fait ça, une semaine de fun. Allez, super. Eh bien, on vous souhaite une bonne semaine de fun, ainsi. Dans les stories, envoie du fun, Tout à fait. Et n'hésitez pas à taguer. Oui. Parce que j'ai des personnes, tu sais, qui font les défis. Oui. Mais il y a tellement de gens qui nous suivent sur la page que si vous ne taguez pas, on ne peut pas voir vos défis. Et c'est dommage parce que j'aime bien prendre et ensuite le remettre sur notre propre profil. D'accord. Je trouve ça très intéressant, très marrant. Oui. Donc, il faut taguer, tu vois. Il faut mettre le petit hashtag, hashtag arrobas, etc. Soit je suis mon coach, tu vois. Oui, tout à fait. Pour qu'on puisse le voir. Oui. Ouais, ça, il faut le faire. Oui. Eh ben. Donc, vous avez compris l'instruction, ou en tout cas le petit code pour qu'Axel puisse faire ça. Et donc, faisons-nous plaisir et envoyons-nous du fun en nous taguant dans ce cas. Allez, on se tague. Eh ben. Eh ben, moi, je vous souhaite. Belle semaine à tous. Belle semaine à toi. Belle semaine à tout le monde et ciao, ciao. Ciao, ciao. Bye bye.
Voilà, madame.